Et salut YouTubeur est très grave. Comme constaté, on est toujours au même nombre de tokens, mais on a perdu notre streak, ce qui veut dire que j'ai raté mon 10ème streak, et en plus tard dans la run, on avait, et j'ai aucune excuse à part le stress du 10ème streak, le run était bien, on avait des stats de malade, 15 de dégâts, bon tir rate, cricket, sed, bref. Et j'ai pris un David Deal de trop parce que je voulais avoir Conjoined et en plus je l'ai même pas eu. Et du coup, eh ben, je suis mort, il me restait 2 coeurs pour aller dans la cathédrale et je suis mort dans la cathédrale. Énorme erreur du joueur français, clairement. Voilà, je suis un très salé, très triste, mais on relance le streak tout de suite. Ça n'entache pas ma volonté d'aller toujours plus loin, on a quand même battu notre record. Alors, très bonne stat. Projectile un peu lent. Bouclier très bien et smelter très bien. Le jeu adore me faire commencer avec le smelter. Je sais pas ce qu'il a avec ça, mais ça arrive très souvent. Ok, intéressant. Bon, le smelter c'est bien, hein, je vais pas me plaindre, mais. Putain, première salle assez vénère. On n'a pas une barre de vie incroyable non plus. Hein. Non, vraiment, le 10ème streak il était. C'était imperdable. C'est vraiment le genre de run où tout le long j'ai dit ouais, c'est bon, on a gagné. Et vraiment, j'ai pris un David Deal à 3 coeurs bleus, mais je sais pas pourquoi. Enfin si, pour avoir Conjoined, mais même si je l'avais eu, en fait je serais mort quoi, c'était complètement idiot. Ouais, attends. Oh non, me force pas à refaire mon intro hein. Non, 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 non. Vous allez pas me tuer les gars, c'est mort. Celui-là on le gagne. Bon après c'est pas grave hein, 9 c'est bien, on a battu notre record, c'est comme ça qu'il faut le voir. On aurait aimé atteindre 10. Et franchement, je sens que j'ai bien progressé quand même. Je gagne des runs que j'aurais pas gagné dans le passé. Ça n'avait pas le coup. Alors. Oh non, je suis lent. Oh, je suis tellement mort. J'avais pile poil la vitesse qu'il fallait quoi. Un peu de moins et j'aurais. Je me serais fait exploser. Au sens littéral. Je sais plus s'ils font. Non, ils font qu'un demi-cœur de dégâts quand même, faut pas déconner. Ça pue les secrets trop au-dessus, mais on a pas de bombe. On a aucune ressource, c'est merveilleux. Bon, le bouclier il est bien. Hein. On a déjà fait un run où on commençait le bouclier d'ailleurs. On a eu Mom's Knife, du coup, bah, c'était un run Zelda en fait. Hein. Clairement. Est-ce qu'on joue Dying Planet? Bah. Est-ce qu'on teste? Vas-y, je m'en fous. Tu sais quoi? On est en streak 0, je m'en bats les steaks. J'ai fait une connerie là, on est d'accord. J'aurais jamais dû faire ça. Et pourquoi vous m'avez laissé faire? Pourquoi j'ai fait ça exactement? C'est parce qu'on. Je sais pas. La folie me. Le sel me fait faire n'importe quoi. Alors avec Tiny Planet, si tu veux toucher plus, il faut genre faire ça. Je me souviens du challenge avec Soy Milk et Tiny Planet, ça en fout. Hein. Fallait choper Lump of Coal, sinon tu faisais rien en fait. Si vous voulez bien péter près du rocher marqué, ça m'irait. Oh, allez, sérieusement. Pourquoi on a fait ça? Si on gagne ce run, va falloir trouver une bonne interaction parce que là, ça va être désastreux. Ah, ok, retourne arrière, tout de suite. Ah ouais. Bon, vous savez quoi, comme on en a vraiment rien à foutre, on va jouer pilule. Allez, c'est le run du. On s'en fout. On est vénère d'avoir perdu. On est super vénère d'avoir perdu ce streak. Du coup, on s'en branle. Pourquoi je suis tout vert en fait? Oh, il y avait pas de secret room. Ah ouais. On va chercher l'échelle de corde aussi. Oh. Oh. Ok, bah c'est pas mal pour le. En vrai, c'est pas mal pour le boss. Oh putain.
Dans ce court laps de temps, j'avais presque oublié que j'avais taillé une planète. Vas-y, ça va, ça prend moins de temps de faire ça. Ah là là. Je devrais peut-être pas lancer de run à 2h du mat en fait. C'est peut-être ça mon souci. Attends, on va faire l'autre. Parce qu'on a pas oublié que ici. Bon, elle peut pas être là, mais elle peut être là par contre. Ah, parfait. Ça me sert à rien. Ah oh, putain, c'est vrai qu'il y a 3000 trucs à faire péter ici. Je vais tout casser. Et je suis mort. Et non, regardez, tout va bien. On est bien, franchement. Qu'est-ce qu'on est bien? Ça, c'est un run qui part bien. Et B. Oh le cop. Vous voyez, on est bien. On est très très bien, hein. Bah voilà. Si on a une bombe dorée par étage, on peut s'en sortir. Bon, si y a Ragman, je démissionne. Oh le sol de pays. On va pouvoir avaler de ce pas. Ça n'a pas marché, d'accord. Merde, attends. On préfère des High Priestess. Pour faire ça, voilà. Oui, c'est pas dur à jouer, Tiny Planet. Ah ben voilà. Eh. Là, c'est plus jouable déjà. Et si on réussit un run Tiny Planet, c'est la classe. Après avoir raté un run Cricket Z et tous les objets de l'univers, on va réussir un run Tiny Planet, vous allez voir. Ça me saoulerait si c'était le cas, mais bon. On n'a qu'une clé, donc on va la garder. Oh là là. C'est bon, la version mini, elle court plus vite que la version vénère, quoi. Et si on chope le planf call, on a un build en vrai. Il faut vraiment qu'on tombe sur campus. Oh là là, l'enfer, ses ennemis avec là. On s'amuse bien, hein. On passe un moment. En vrai, il nous faudrait un orbital ou un trop ça, quoi. Oh, je vais pas y arriver. Allez! Allez. Le talent. El talent. El talente. Je parle pas italien. Espagnol. Bref. Non, mais au moins visuellement, c'est intéressant. Il faut vraiment un orbital ou un truc comme ça. Womb of the Void, un truc comme ça. Le premier, le Devil Deal va être. Il est toujours déterminant, mais là il va l'être encore plus, j'ai l'impression. Oh. Pas de rocher marqué dans tout ça, sérieusement. Bon, bah au moins ça nettoie rapidement la pièce. Oh! Ah bah voilà! Putain, ça veut dire. Ah, je l'ai utilisé, je l'ai activé trop tôt après l'avoir ramassé. Je pense que ça considérait pas que je le tenais. Le trinket. Hein. Bon, on a un swallow. On a avalé une pièce avalée. C'est. Swallowception. Non, après on l'a fondu, mais bon.
Tel le sous-fétiche dans Picsou, hein, pour ceux qui ont la ref, évidemment. C'était qui la sorcière mystique qui voulait fondre le sous-fétiche? Eh ouais. Il y avait un épisode où elle revenait dans le temps pour pas que ça devienne, pour lui voler son sous-fétiche, mais c'était avant qu'il devienne son sous-fétiche, du coup ça ne servait à rien, et elle est obligée de lui rendre. Ah, oh putain, et si ça c'est pas chanceux? Ok. Ok, alors toi tu... Non, toi tu fais chier. Attends, comment on va faire? On va aller chercher l'objet. Bomber Boy, ah ça fait des explosions géantes. Pas mal. Pas mal mais dangereux. Putain c'est relou l'île Hunt ici quoi. Oh là là. Fous-moi la paix. Bon c'est pas grave. On a... Putain je crois que je pouvais pas le ramasser. Plus de 70 de dégâts, ok. Bon on a la méga explosion, c'est cool. Et on a eu des bombes du coup. Bah voilà, si on galère à buter les boss on aura des super bombes. Je vous dis qu'on va l'avoir sur une. Putain. Le titre de la VOD ça va tellement être je ramasse Tiny Planet et la suite va vous étonner quoi, une connerie comme ça. Yes. Du coup on va... Soyons d'action quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh le damage. 8,64 de dégâts. Eh franchement. Est-ce que ça devient pas jouable sur run? Putain mais si on chope le Puff Call, mais ce carnage que ça va être. Oh, on a plus de secret room, on est d'accord? Alors attends, est-ce qu'il y avait pas de cœur bleu je crois hein. Non. Ah mais attends, les grosses bombes ça fait tomber plus de pièces. Ouais, ça fait tomber plus de pièces de... Du coup est-ce qu'on prend un item martyr? Oui, on a des sous après tout. Ça peut toujours servir. C'est rarement inutile on va dire. Là on s'en branle, ça va. On va pas utiliser notre The Empress pour ça. Faut que je fasse gaffe à pas tous les faire péter en même temps, c'est tout. Voilà. J'aime pas quand il y a la musique de fin de boss mais qu'il reste des, monstres. HP up pour le Devil Deal, qu'est-ce qu'on a? Ah bon, on peut avoir Angel Room. Oh putain, et si on... Bon là j'extrapole mais imagine. Imagine, on a l'Angel Room et on a le prisme. Ça peut pas être débile le prisme avec Tiny Planet parce que ça va s'activer tout le temps. Moi je veux que ce run, je veux une interaction débile sinon je vais être triste. Quitte à jouer Tiny Planet, je veux vraiment qu'on ait une interaction débile. Allez, on y croit. Putain, bon, je me tape tous les ennemis qui se divisent quoi. Bon, c'est chiant, on bute les feux alors que c'est ce qui le tue le mieux les feux. Mais bon, on peut pas y faire grand chose pour le coup. Putain, pourquoi tout va derrière moi? Cassez-vous! Petit rocher marqué. Intéressant. S'empresser de faire péter les crottes noires. Vraiment dans cette pièce, faites péter les crottes noires. Dans toutes les pièces, il y a des crottes noires et des ennemis. Vous embêtez surtout pas. Oh, si on pouvait avaler une petrified poop, ce serait tellement bien. Alors le shop est là. Main Vault c'est bien, Mr. Me c'est bien. Est-ce qu'on prend Mr. Me? Ouais, il est mieux que le smelter, faut pas déconner. Ouais, Mr. Me, c'est la vie. Surtout qu'il fait un reroll du coup. Ça, c'est balèze.
Regardez ça. Hop. Bon, il y a une chance qu'il échoue hein, sur les vols de magasins. Mais on a eu de la chance. Bon, je prends la lampe parce que Curse of Darkness c'est chiant. Et puis que ça peut ralentir les ennemis avec Tiny Planet, on dit pas non. Surtout que pour le coup, je peux vraiment la pointer où je veux à peu près puisque. Ah non, elle va pas dans la direction dans laquelle je tire. Ok, j'ai rien dit alors. Ah oui, j'ai le bouclier. Ouais, mais en vrai, ce run il commence à ressembler à quelque chose. C'est les boss qui. Les gros boss vont être compliqués en fait. Genre Isaac, putain, il y a une arme sur 8 qui va le toucher quoi. Bon, d'ici là, on aura sûrement trouvé une interaction pétée, mais. Ah, attends, on va revenir au shop, puisqu'on a rechargé Mister Me. Oh, Mister Me. Pff. C'est tellement cool. Il peut rouvrir la porte du boss rush d'ailleurs. Pour ressortir. Je crois pas qu'il puisse l'ouvrir si t'as pas eu la limite de temps impartie, mais. Oh le lock-up. Oh le broken modem. Oh c'est mort. Même gratuit, j'en veux pas. Bon, le lock-up, on prend. Oh ça cède. Ok. Allez. Donne-le-moi. Yes! KO, c'est non. KO, c'est totalement non. En vrai, attends. Hop. Pandora's Box. Bon, donne-moi ça plutôt. Ah, il le reroll du coup. Bah, il le reroll, façon de parler. Bon, si on trouve un bon trinket sur l'étage, on l'avalera évidemment. C'est le genre de run que tu peux avoir qu'à 2h du mat, hein, ça, on est d'accord. Bon, maintenant que les larmes one-shot les ennemis faibles, ça commence à ressembler à quelque chose. On n'a pas eu l'item moment encore. On a la store key, bon, on ira la vallée. Hein. C'est con, on l'a déjà ouvert le magasin, mais bon. Après, Mister Me, je crois qu'il peut prendre les objets des villes de gratos, non? Non, je suis pas sûr. C'est un peu chiant contre ce genre d'ennemi, on est d'accord. On passe un bon moment. Moi je m'éclate. En fait, faut que je bouge Isaac pour que influer sur les. Je pense pas à faire ça moi, je regarde que la direction de tir mais. Oh. Ah, je suis tellement triste d'avoir perdu mon streak. Je suis désolé, hein, j'insiste là-dessus, mais. Je sais pas si c'est pire de perdre un run qui était super dur et tout, de perdre justement, ou de perdre un run que t'aurais dû gagner, quoi. Je sais pas ce qui est le pire entre les deux, en vrai. Franchement, j'hésite. Bon, Pandora's Box, qu'est-ce qu'il y a dedans? En plus, ça va nous refaire un objet en promo. Putain, il échoue jamais aujourd'hui, cool. Ouais, oui, pourquoi pas. Oui, surtout qu'on a pris des pilules au début. Oh bah voilà, 6 de luck, hein. Tout va bien. Range down, ça me va. C'est plus, ça veut dire que les larmes sont plus proches de moi, c'est très bien. Non, il fallait que j'utilise Mister Me. Pff, oh là là. J'ai vu cette pièce, j'ai vu un objet, une bible en promo, j'ai pris quoi. Bon, c'est pas grave. On est magnifique. Avec sa quête. Frodon sa quête de la comté évidemment. Je crois que j'ai déjà fait cette blague.
Mais elle méritait clairement d'être répétée, hein. Oh là là. Oh putain. Et c'est le jeu, c'est vraiment le jeu du chat et la souris, quoi. C'est lui, en fait, je mets les ennemis dans un bullet hell, c'est pas... Oh, attends. C'est pas rigolo, ça. Ça doit être ça, hein. Oh, mais c'est énorme. En vrai, c'est trop bien avec, avec Tiny Planet. Ça serait bien qu'on l'avale, du coup. Est-ce qu'on a envie d'aller avaler Wiggle Worm? En vrai. Bah ça fait un tears up, quoi. Chose qu'on oublie un peu facilement d'ailleurs. On a tendance à en passer qu'à l'effet zigzag et on l'ignore le truc la plupart du temps. En vrai c'est très très bien Wiggle Worm. Parce que les trinkets qui boostent les stats, y'en a pas tant que ça. Bon, cet endroit ne servait à rien. Oula. Du coup, est-ce qu'il y aurait pas une secret room ici? Oh putain. Oh bah là, c'est Run Bomb, on est parti, quoi. Oh putain, les dégâts des bombes. Oh. Mais je fais combien de dégâts au boss avec ces bombes-là? Ouais, on a des pièces volantes, c'est trop cool. Eh mais je commence... Il est trop bien ce renom en vrai. Bon, je m'éclate, hein. Eh, vous savez quoi? Hop là. Alors, Mister Mi, est-ce qu'il est chargé? Oui. Un plus un. Oh putain, un plus un. Avec notre build de bombe, c'est parfait. Oh là 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 là. Ça devient scandaleux. Ah, dire que ça aurait pu être notre 12ème streak. Oh non, remarquez, on a fait, j'ai fait 2-3 runs. Quand je perds un gros streak, je fais des runs normaux pour me calmer un peu. Ah oui, on avait oublié ça. Mom's bras, ça chier. Ça aussi. Je sais pas bien. Bon bah pas le choix, je crois que c'est un truc quand on se fait toucher ça, je sais même plus ce que ça fait. Ah mais non, on va se faire deux... J'aurais dû attendre l'après le boss puisqu'on va se faire max de thunes normalement contre ce boss. Ah ça peut dropper des sacs putain. Et on a un plus un, j'ai vraiment fait une connerie là. Bon c'est pas grave. On a un objet nul mais on va se faire tellement d'objets bien putain. Oh là là, rien ne va plus messieurs, on est à... Messieurs dames bien sûr, on est à... On est bien. Est-ce que... On retourne quelque part? Non, on avance. Je veux des bombes, je veux absolument tester les dégâts de mes bombes là. Ça doit être indécent. Allez, on a cyclé, on y va. Ah, Double item room, ça m'intéresse même si c'est que 15% de chance je crois. Ah, le petit halo là. C'est vraiment, on fait un... Le jeu s'est transformé en bullet hell pour nos ennemis, quoi. C'est trop stylé. Oh là là. Oh là 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 là. C'est n'importe quoi. Vous sentez que ça va devenir n'importe quoi. La pénitence plus double machin, plus un plus un plus les sacs. Comment vous dire? Et avec le nombre de larmes qu'on a, on a 5 de tir rate, ça y est, hein. Ça va être très drôle. Même en vie on est bien, putain, qui l'aurait cru, quoi. Bon, vous me direz, le même run sans Tiny Planet ça marchait aussi, hein. On est d'accord. Mais c'est beaucoup moins marrant. Ok. Putain, c'est énorme. Le run, il va tellement. La VOD va tellement s'appeler. Je prends Tiny Planet sciemment. Même pas peur. Ok. Bah. Vu les ressources qu'on fait, c'est pas ce qu'on voulait spécialement. Mais du coup, lui, quand il me touche, je perds des pièces. Est-ce que ces pièces peuvent devenir des sacs? Je pose les vraies questions. Ok, bon, Steam Sale, c'est bien. En plus, non, il nous reste pas mal de shops, donc c'est très très bien.
Addicted, je crois que ça fait rien de spécial à part te donner une tête de taré pendant la salle. Ok. Ce run est aberrant, c'est ça qu'on aime dans Isaac. Bah une clé pour deux clés en soi, c'est pas dégueulasse comme deal. On va dire oui. Secret Room peut-être, je vais pas la tenter. J'ai envie de garder mes bombes pour voir combien de dégâts font au boss. Là j'ai un combo d'objets de bombes ultra vénère hein. Ah putain. Merci le bouclier parce que je devais me gratter le nez. Putain mais j'arrive pas à le toucher. Allez qu'est-ce qu'on a? Windbag. Oh là là, c'est honteux. C'est honteux. Windbag c'est un grand oui évidemment. Excellent objet. On aimerait bien le... Ah bah non, on l'a pas le shop, je suis bête. Oh, on a dit qu'on mangeait les pilules, on mange les pilules. Hein. Alors moi, je suis quelqu'un de parole, hein, vous aurez noté. C'est comme le run des Infinity, j'ai dit qu'on jouait des Infinity, mais on l'a joué jusqu'au bout, jusque devant le... le Blue Baby, hein. Rien à foutre. J'espère que vous apprécierez cette... ce dévouement de ma part, évidemment. Bon, Mister Me, c'est un peu à rien, là. Vas-y, on va l'utiliser contre le boss. Ah ouais, surtout un boss fixe, parfait. Du coup il se frite. Non mais le truc il tape quoi. Il tape aussi quoi. Genre il y a un truc, il y a rien qui fait pas quoi. Can do quoi, comme il dit quoi. Il sait tout faire. Bon il fait pas des dégâts de ouf mais hein. Heureusement quoi. Oh les, oh le double trinket. Oh le stop. Mais oui, plus d'objets activables, ça me va très bien. Allez, qu'est-ce qu'on a? Avec stop, on aurait de la chance. Bon, on aurait dit que c'est pas mal, mais on en avait vraiment pas besoin, quoi. Bon, on a plus grand-chose à voir là-bas. On continue. Un peu triste pour cet Angel Room, nul. Enfin, Zorilix, c'est très bien, mais... Allez, c'est quand même très bien d'avoir des cœurs bleus, Mais clairement, on espérait. T'imagines Godhead avec ce build? Il y a tellement d'objets débiles là, comme j'ai dit, si j'en chope pas au moins un, je vais être tellement triste quoi. On veut Lump of Coal quoi. Putain, donnez-nous Lump of Coal. Alors la Holy Card, on s'en fout. Ok. Oh la belle queen, on prend. Ça c'est un grand oui. Putain, mais... Il semble qu'il y a des ennemis qui ont joué à Atto là, ils sont très bons pour esquiver les rafales de tir quoi. Oh. C'est vrai qu'on a le Saddlebag of Ruin. On a quoi? Ewaz, ok. Qu'est-ce que c'est? Oh l'échelle de corde. Putain c'est très rare ça. Enfin très rare. Oh le Spelunky. Putain mais c'est quoi? C'est quoi ce run où on chope des objets de malade dans les... dans les échelles de corde? C'est quoi qu'on a eu? C'est quoi qu'on a eu dans l'échelle de corde tout à l'heure? Oh putain c'est Magic Mushroom putain. Mais c'est n'importe quoi hein. Ouais Spelunky on prend hein. Ça reste sympa. Même si... Pff, on voit les salles secrètes comme ça. C'est vrai qu'on aurait pu le Black Runé, mais bon. Oh, Shiny Rock. Oh oui, tiens. Why not? Et du coup, on a vu la Secret Room. Ah, d'ailleurs, elle reste vue même si on n'est pas à côté de la pièce. Ça, c'est cool. Il y a le 2 Spelunky qui est sorti, là. J'ai jamais joué. Euh...
préfère un boost massif, quand même, plus d'un 50 de dégâts que ces objets nuls. Enfin, pff, la crotte bleue, elle est sympa, mais... Non, non, elle est nulle, je suis désolé. C'est pas bien, quoi. C'est vraiment un combat placé sous le signe du pognon, hein. On envoie des pièces sur grid, hein. Il devrait être immunisé, d'ailleurs. Ok, ok, calmez-vous, calmez-vous. Adji, c'est très bien. Bon, on veut le shop, maintenant. On a des batteries pour Mister Me. Shiny Rocky nous pointe un rocher qu'on aurait sûrement vu, mais bon. Merde, c'est vrai que c'est la grosse... Oh putain, c'est la grosse bombe. Oh, j'avais besoin de thunes, c'est pour ça. Et tu es à 95. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Bon, où est le shop? Putain, c'est quoi cette salle immense pour deux Lilhounds, quoi? Allez! Ah, c'est les corps de Relix, ça. Bon, tu... Allez. Oh, l'amnésia, c'est chiant. On est au max de nos thunes, donc on va éviter de... faire ce que je viens de faire. Oh putain, on s'en fout d'Agalaz. Allez, putain. Bon, de toute façon, on avait tout visité à part en haut, donc le shop doit être là. Même pas. On se fait beaucoup trop de thunes. J'ai plus assez de place, moi. Bon, bah... Holy Grail, hein. Oh, on essaiera de faire un... Trop bien. Bon, je crois que ça rapporte que... On n'a pas besoin de le guise, en vrai. De toute façon, on en rechauffera forcément. C'est Raffi, ça fait juste du HP up, non? Et le vol. Mais le vol, on l'a déjà, donc... En fait, on a eu un double ligue, quoi. Super. Bon, autant le roi Arthur approuve, autant... bon, encore une fois, comme d'hab, hein, les Angel Room, elles sont décevantes. Putain, quand tu penses qu'il y a Godhead et Sacred Heart, putain, c'est frustrant. Bon. Donc, il y a un rocher marqué, on l'a vu. Ok. Merde, on est max de notre thune, calmons-nous. Ah ok, il y a une reroll machine, parfait. Alors. Mamski, c'est... Alors c'est bien, mais en même temps... On est tellement... comment dire... On est tellement bien en ressources, mais bon. Piggy Bank, ouais, pourquoi pas. Attends, ça plutôt. Mais non! Bon, en même temps. Oh, plus. Ah, mais non, j'ai déjà ça. De trinket, j'ai déjà, ça sert à rien. Le compass, on prend. L'échelle, on s'en bat les. Les rouflaquettes. Deep pocket. Oui, deep pocket avec, bag of ruin, c'est très bien. Funny pack c'est nul mais on prend. De toute façon on a 3 milliards de fric, franchement à quoi ça sert que. À quoi ça sert que je m'amuse à jouer Mister Me. Oh le double mort option c'est très très bien. Pokémon Go. Pff... Non. J'ai pas envie. Du coup. On va récupérer. Mister Me clairement on en a plus besoin. Hein. Où c'est qu'on a laissé la rune? C'est là non? Ouais.
Bon, voilà. On a eu l'item room, hein. Je sais plus. Probablement. Alors, un plus un, plus même ski, on va rigoler, hein. Plus les sacs. Encore un run, n'importe quoi. Avec 9 de luck en plus. Hein. On est plutôt bien. Donc à droite, c'est le shop. On est. Physiquement, on est impressionnant en tout cas. Parce qu'on a mangé une pilule d'arrondissement. Putain, on a Ansos, on a Spelunky et on a, il a fallu qu'on bouffe une pilule à l'amnésia quoi. Attends, les bombes elles font combien de dégâts? Oh putain! Oh là là! Ouais, mais sérieux? Black Rune on prend, par contre on prend clairement on prend pas l'expérimental treatment, tu ne prends pas l'expérimental treatment, s'il te plaît, ne fais pas ça. Jamais. Et on passe à Necropolis 2. Bon, de toute façon, on a le mapping. Alors. Il manque plus que Pistail et ça devient débile, hein. Bon, vu qu'on a aucun objet de coffre doré, j'ai pas envie de passer au coffre rouge. Hein. On a pas besoin de Guppy. Enfin, on a pas besoin de Guppy. Je me comprends. On peut jouer sans Guppy, quoi. Bon, faut pas ramasser les pièces, faut les garder pour quand on aura le shop. Enfin, je vais quand même revenir à mon max, quoi, mais... Alors le shop il est là-bas. On va aller voir le shop et l'item room de suite. On a une double item room, donc si les deux sont nuls, on fera une black rune évidemment, comme tout à l'heure. Bon, on espère pas, hein. Alors attends, hop, hop et hop. Ensuite, on avance. Des ressources, à plus ça va voir comment faire. Hein. On a dit qu'on ramassait pas l'or. Oh. Ah oui. Oh putain oui. Oh là là. Ça c'est bien ça. Oh l'extra active item room c'est bien. Alors du coup il faut absolument qu'on joue Mister Me comme ça on reroll le shop. Ouais, carrément. Alors, attends. On fasse pas de bêtises. BFF, on veut. Même si ça sert pour aucun de nos. On va re-remplir ma machine de dons. Puisque dans tous les cas, on va se servir que du. Que de Mister Me. Ok. Ok. Alors, du coup. Bon, on a bien laissé les batteries derrière nous, oui. Je t'ai vu, toi, là-bas. En bas, il y a quoi? Il y a une secret room, on va aller la faire. Allez, donne-moi ça. Dommage qu'il n'y ait pas une batterie à... Oh! Bon, on va charger jusqu'à 2 charges, dans tous les cas. Bon, on a les larmes de la pomme qui font très très mal. Et on en a beaucoup. Là, on vient d'augmenter significativement notre DPS. Hein. La pomme, c'est très bien. C'est un Tears Up plus un des meilleurs effets de l'arme du jeu. Bon, pour le coup, le Tears Up, on en avait pas besoin, mais... Alors... On a Dagaz, on a pas de curse, là, hein, ouais. Sur Zop c'est sympa mais ça sert à rien.
Allô? Oh là là. On va finir à 99 de chaque objet quoi. Bon allez, on va aller choper BFF. Voilà. Oh bah avec Box of Friends c'est bien. Surtout Box of Friends ça peut invoquer des trucs bien forts. T'as des holy shots, des tirs stoppants, etc. Non, il y a vraiment des trucs bien avec Box of Friends. Bon, c'est clairement pas l'objet que tu vas prioriser si t'as pas beaucoup d'argent, mais tu vas pas passer à côté si t'en as assez, quoi. On s'éclate, hein. Ah. C'est pas sympa. Encore une raccoon. Nice. Ah oui, mais on drop plus d'activables. Attends, du coup, je vais lâcher stop en fait. Bon, je vais. Parce que stop, ça nous emmerde en fait. Là, vu qu'on peut avoir deux activables. Oh, la Black Tooth, parfait. On a des larmes empoisonnées. Potentiel. Bon, on va quand même aller faire l'huile. Hein. Oh, vas-y, un petit effet de bombe en plus. Bah, je crois qu'on a déjà ce qui peut dropper. Ouais, c'est ça. Bon, si on tombe sur un mendiant de clé ou de bombe, on va se faire plaisir. Donc, nous disions donc. Les Black Runes, c'est bien, moi je garde les Black Runes. Bon, ça avec BFF, c'est cool. Ça, par contre, c'est beaucoup moins bien. Mais en vrai, on s'en fout puisque. On n'a pas de familier qui fait des dégâts en fait. Donc, King Gaby ne nous handicape pas trop. Double charge, est-ce qu'on s'en bat les couilles? Oui, mais potentiellement ça peut servir. Avec Mr. Me ça sert à rien, mais ouais, ouais, on a la Black Tooth. Putain, Black Tooth et la pomme. Allô? Idéalement, ce serait bien qu'on chope un très bon activable ici, comme ça on reprend nos. Oh, quoi que. Ah, il tire des euthanasia, notre familier. Bon, je sais pas si ça fait vraiment l'effet d'euthanasia, mais. En tout cas, ça a la tronche. Ça devient dur à esquiver nos tirs. Hein. Bon, allez. Allez, on va voir ça. Oh, le Hira. Oh, Hira, on garde. Je suis obligé de garder Hira. Si je trouve un coffre doré avec. Comment ça s'appelle avec un objet dedans, ça peut être très bien. Oh, allez. Ok, va chier, c'est bon. On est très bien. Hein. No shit Sherlock quoi. La rune ira. On a les deux meilleures runes du jeu, on est bien. Y a peut-être une pilule qu'on a déjà eu. Ouais, ouais, effectivement, mais c'est de la merde du coup. Ouh. Ah oui, c'est vrai qu'on pouvait charger indéfiniment notre truc quasiment. Eh merde, j'ai pris la pilule. Putain, je suis dégoûté. Bon allez, c'est pas dramatique. Mais ça fait un peu chier quand même. Je voulais garder ma Black Rune, moi. Du coup, est-ce que ça marche? Ça marche pas sur les DVD quand même. Oh putain. Mais c'est complètement abusé. Et on est. Putain, on a beaucoup. Ah, c'est énorme! Putain, ce run. Oh là là, Bookworm avec Tiny Planet. C'est ce qui. Ah, il a. Oh là là, il tire dans les deux côtés. Oh, c'est tellement stylé.
Mais c'est trop bien Tiny Planet. Pourquoi les gens n'aiment pas cet objet? Bon, j'avoue, on a eu les bons objets pour aller avec, parce que sinon... Je crois que le Magic Mushroom a bien joué. Oh là là. J'ai oublié de faire Yera. C'est pas avant la fois plus tard. Putain, si j'avais fait Yera là, on aurait eu deux coffres à objets en plus. Boulet que je suis. On la fera au chest. Non, Yera, on la garde pour le chest. Au pire. On est à combien de dégâts? 11,59, c'est tout? Ah oui, parce que... Mais oui, Cricket 7 avec Magic Mushroom, c'est nul en fait. Donc on est content, mais pas trop. Yera des impresses, ok. Laissez-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Attends, non, il manque des cœurs en fait. C'est quoi ça? Yera. Bah ouais. Dis après, on... Je pense pas qu'on en ait spécialement besoin. En plus, on a Book of Belial au cas où on fasse passer mal. Putain, mais on veut Lump of Coal. Ah, mais Lump of Coal là, ça serait. C'est une des meilleures interactions de Tiny Planet. Un des meilleurs moyens de gagner le challenge. Bah, j'en ai parlé au début du run, je crois. Le challenge de Tiny Planet, justement. Qui est relou. Qui m'a niqué les doigts parce que le meilleur moyen de tirer un peu partout, c'est d'alterner deux directions de tir, en fait. Du coup, c'est tellement chiant. Ah, 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 ah. Waouh. Oh. Ouais, bien 56 de dégâts. On aimerait bien niquer le tir scap aussi, mais ça va être compliqué là. On va trouver cancer. Hein. Ce qui est possible en soi. Allez, un objet de Guppy. Attends, si on avait utilisé Yera. Ouais, mais en même temps, j'aurais pas utilisé Yera sur un seul coffre rouge quoi. Bon, il faut que je pense à Yera quand j'ai des coffres, quand même. Tellement fun ce run, ça me console presque de ma défaite. Je dis bien presque parce que. C'est quand même honteux. Je sais plus où j'en suis. Alors attends, Yera. Ok. Oh non. T'as avec Fanny Spack. Oh là là. Oh. Voilà la classe card. Je me suis complètement trompé d'objet la première fois. Le shot speed et damage up, très très bien. On a utilisé Yera pour rien, mais c'est pas. Pff. On avait Book of Belial aussi que j'ai oublié. Bon, on s'en fout, on a fait Chaos Card. Fatigué moi. Alors. J'ai failli oublier. Alors attends. Tamised, ça donne quoi Tamised du coup? Oh! Mais c'est énorme! Putain, on joue tellement ça! Ok. Pourquoi pas, hein? Je prends juste ça pour la transformation en Bob, très importante, évidemment. Bon. C'est quoi ce run, sérieux? Ah oh ouais, on a eu le shot speed en plus. Voilà, mais le run que j'ai perdu, imaginez que j'avais à peu près un but comme ça et que j'ai perdu quoi. Parce que j'avais pas de vie. On n'a pas la challenge room, on est très triste. Bon, c'est un run. Non, c'était un build aussi fort que ça, j'ai envie de dire. Ouais. Moins défensif, c'est tout. Mais offensivement aussi fort.
Oh, avec Bookworm en plus. Mais à chaque fois je prends un coup en plus. Oh là 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 là. Ça recharge à chaque fois que je passe. Je prends un coup. Bon, on est pas mal hein. Je pense qu'on est plutôt bien parti. Salut YouTube, content de te revoir. Allez! Ah ben voilà! Est-ce qu'on a encore besoin de Mister Me? Non. Ah oui, on a Hive Mind en plus. Ah, par contre, entre Guppyced et Tamised, je vais plus savoir où donner la tête là. J'ai Elgiz, putain. Vas-y, fais-moi arriver. Allez, aidez-moi à rendre ce run encore plus débile. Putain. Allez. Et t'es... Toi t'es un têtu, toi. Putain. Bon, attends. Size down c'est bien. Tough spades. Quand tu t'en énergie, ouais. Non, rends-moi ça. Ok. On va aller faire le boss. Hein. Bon, un peu déçu des bégards là. Hein. C'était pas ouf. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma shot speed a augmenté de ouf? Bah. Pourquoi j'ai l'impression de tirer plus vite qu'avant? Non. Et pas un HP up par pitié. J'ai l'impression qu'ils donnent tout le temps des HP up. Allô ? Entre les bombes qui font trop mal, enfin, y'a rien qui va dans ce run. C'est chiant parce qu'on peut même pas s'amuser avec l'aspect bombe parce qu'on on fait tellement mal avec Tamised et compagnie qu'on s'en fout en fait. Ah, vous me détestez. Ah oui, avec double actif, je fais deux fois plus de mouches. T'as le nombre de ressources qu'on sème dans, dans l'étage quoi. Tu regardes, la map, c'est n'importe quoi. Putain. Du coup. On n'aura pas eu le puff call, hein. C'est honteux. Hein. Ok. Oui, c'est vrai qu'on a Sanson. On a le boulet de Sanson. J'en suis pas au point de jouer les machines à sous quand même. Putain, mais il est encore actif. Oh, Wells of Flies. Oh, plutôt Shine Rock. Vous savez que c'est lui qui m'a tué, mon streak 10. Ils étaient deux et j'aurais pu faire. J'ai pris une bombe qui est vraiment apparue dans mon dos et j'avais beaucoup de familiers, du coup je l'ai pas vu, j'étais dégoûté. Faut que j'arrête de parler de Soren parce que ça me rend triste. Ah, quel bordel, je dois gérer deux objets à une barre d'activation quoi. En plus on a la 9 volts. Ah, c'est les mouches qui ont... Ouais, ok.
c'est vraiment n'importe quoi quand même. Bon, blanc run, on s'en fout un peu. Bon, ça... Je sais même pas laquelle c'est ça. Il l'a pas dit le mec. Hein. Il fait chier. Allô? Allô? Les pires ennemis du jeu. Ok. Des grids, ben voilà pour vous. De l'argent. Puisque vous aimez ça. C'est vrai qu'on a pas assez de ressources. Allez, on avance. Ah! Joker? Oh. Vous pourriez vous dire, mais il a tellement de ressources, pourquoi il s'emmerde à ouvrir tout? Mais les sacs, ça peut avoir des cartes dedans. Bon, tout offert s'il m'emmerde. Sérieusement, j'ai pris un coup là. Ça, c'est marrant, il y a la Sacrifice Room derrière. Ah oui, d'accord. Il est où le boss en vrai? Putain, il est en haut. Sack of penis, non? Oh putain, faut que j'arrête de dire ça. On est sur une chaîne tout public, s'il vous plaît. Putain, la taille de l'explosion. Avec la luck que j'ai, tu m'étonnes que ça sorte souvent le... C'était quoi ce bruit? Ah, c'était l'ennemi géant, d'accord. Quant à la transformation adulte, pardon, Isaac a une voix terrifiante. C'est bien qu'on ait Guppy en vrai. Hein. On a deux objets de Guppy. Hein. Oh, non mais... Mais vous imaginez avec Lump of Coal, sérieusement? Est-ce qu'on a envie de jouer... Non. On va pas faire... On ira le faire après, après Blue Baby s'il pop. Pas de Curse of the Blind, merci beaucoup. Oui, si vous voulez. Ah, ça c'est bien. Non, ça c'est nul. Choupe da whoop. Bah non, j'adore mes deux objets en vrai. De toute façon, ta mi-7 va suffire à un peu tout exploser là. Ça ouvre même pas, les salles secrètes à la galère, sérieux. Merde. Je me suis dit au dernier moment, attends, j'ai pas une... Oh putain, vas-y, j'ai pas une portée grosse avec des bombes. Ah bah si. Chaque mouche fait 28 de dégâts, hein, pour rappel. Alors, je suis pas sûr que ce soit utile. Je crois pas que ça se cumule. Que je... C'est un objet que j'ai déjà eu. Hein. C'est quand même bizarre. Alors, Integrity Tears, c'est pas ouf avec Tiny Planet. Hein. C'est juste chiant en fait. Donc, non. On a joué un objet roulant, on va pas en jouer deux. Hein. Même si, oui, Integrity, c'est un Tears Up, c'est bien. En vrai, si tu l'as au début de ton run et que t'es un peu. T'es un peu pas bien, tu prends le vraiment. Hein. Sauf si t'as Brimstone. Je déteste Integrity et Brimstone. En soi, le concept est bien, mais ça réduit tellement la portée que. Oh, les objets de fou, hein. Oh putain, qui sauve death. Ok, c'est bon, on fait Delirium. Merde. On a des larmes empoisonnées qui drop des corners, quoi.
tu vas faire. Oh bah. Vous tombez à pic. Bon, que l'élarme est montée avec Tiny Planet, ça peut être rigolo. Hein. Les ennemis deviennent fous. Bon, un petit dégât à eux. Plus 0,15. Allez, on va visiter l'étage. Parce que ce run m'éclate et que j'ai envie de le rendre plus débile encore. Ah, ça serait bien qu'on ait Delirium quand même. Et je sens qu'on va pas l'avoir, hélas. Oula. Putain. Bon bah si on meurt, on redevient Lazarus. Monstre le Slung, ça fait quoi, hein, avec Tiny Planet. Ah, c'était la pire idée. Merde. Heureusement qu'on a Tami Sed. Ah putain, c'est le pire objet quoi. Ah, je suis choqué et déçu là. Putain, c'est quoi cet objet nul quoi. C'est vraiment... Ouais non, c'est... C'est pas bien. Mais bon, c'est pas grave, on est à la fin du run. Ah, oh, vous savez quoi, je l'aurais quand même tenté en vrai. Bon ben c'est reparti, hein, nouveau streak. Merci YouTube, run très drôle, hein, Tiny Planet. Je le prendrai pas à tous les runs, mais franchement, c'était rigolo à faire une fois.